Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui sur une session sur Euro Truck Simulator. On est toujours sur le DLC Iberia. On continue notre petite balade en Espagne en passant par plus ou moins les grandes villes. On était parti au tout début de Toulouse, on est arrivé à Bayonne, on a fait tout le tour de la côte. On pourrait aller en Corogne, Salamanque, Séville. On a été jusqu'à Algésiras, on est remonté jusqu'à Madrid. La dernière vidéo en date, c'était une vidéo où j'avais un convoi exceptionnel avec des voitures relais qui m'ouvraient le passage pour transporter une grosse cargaison. Là, on va repartir classiquement, faire notre tour. J'ai envie d'aller vers Valence, passer à Barcelone et revenir sur Toulouse. Et on aura fait notre tour du moins. Ah tiens, je suis pas été à Lisbonne. Ah merde, pourtant c'est une grande ville ça. Bon, c'est le Portugal, ceci dit, Lisbonne, il me semble. Hein. Donc là, c'est vraiment l'Espagne, donc on va aller à Valence. Alors, on va essayer de trouver une mission. Une offre de traction pour aller à Valence. Ça serait bien. Valence en Espagne, voilà. Montpellier. Oh non. Non. Offre de fret. De Madrid. Attends, on va taper Madrid. J'ai du mal à comprendre destinataire et destinataire. Alors Madrid, il faut que je trouve Valence. Kona, Selena, Cordoue en Espagne. Il n'y a peut-être pas, hein. S'il n'y a pas, tant pis. Hein. Salamanque, Strasbourg, Calvi, Louga, Riga, Barcelone, Madrid. Y a pas Valence. Ok, on va aller voir les contrats externes. Il n'y en a pas un qui va vers le sud, vers l'est. Barcelone. Ah, vers Barcelone. Madrid-Barcelone, limite celle-ci. Je voudrais passer par Valence, moi. Si je tape Valence dedans. Il n'y a pas un. Bon, bah c'est pas grave, on va prendre les contrats externes, on va aller sur Barcelone du coup, ok. Tant pis. Madrid-Barcelone. Et il me fait passer par Saragosse. Attends 2 secondes, je regarde un petit quelque chose. Ouais, je suis déjà passé par là. Moi, j'aurais voulu faire le tour par Valence, quoi. Merde. En mission rapide, il n'y a pas un. Madrid. Il n'y a pas de transport vers. Ça n'existe pas ou quoi, hors de traction? Ce truc de Valence, ouais, bah tant pis, hein.
J'irai une autre fois. Ouais, bah y a pas. Ok. Ouais, y a pas. Bon, on va faire Barcelone, c'est pas grave. On va prendre celle-ci. Et on va commencer la livraison. Avant de prendre un contrat externe, votre remorque attelée doit être transportée dans son garage à Lille. Oui. Donc ce sont des bobines métalliques que je dois transporter. Alors, votre remorque est prête, dirigez-vous vers le drapeau vert indiqué sur votre carte. Par contre, il fait nuit noire là, coco. Hein. Il est 23 h. Ah, fait chier quoi. Je peux pas me reposer, faire un repos là. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Tant pis. Hein. Allons-y. Je commence à rouler de nuit, ça fait chier, mais. Les feux. À droite. Allez. Tournez à droite. Préparez-vous à tourner à droite. Un peu de chance. Je ferai le reste du trajet avant. Tournez à droite, journée. Continuez tout droit. Allez tout droit. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Tenez la droite. Sortez maintenant. Tenez la gauche, puis tournez à gauche. Non, t'inquiète. Tournez à gauche. Alors, ça doit être. Je rentre ici, hein. Ce fut une belle balade. Merci, madame. Attends, attends, attends. Où est-ce qu'elle est, ma cargaison, là? Je suppose que je dois y aller en marche arrière. Hein. Ça va être coton. Hein. Alors attends, que je regarde un petit peu parce que là, comme il fait tellement noir, je vais me mettre en mode photo.
que je puisse voir quelque chose, parce que là, c'est la galère. Ok. Ok. Ça me permet de voir le bâtiment et comment est disposée la remorque. Ok, donc faut bien que... Ok, j'ai compris. Ok. Comment tu veux que je vois quelque chose, quoi? Moi qui suis pas fort du tout au niveau de... Ah, c'est pas dans le bon sens. Pas évident hein, quand il fait noir comme ça. Voilà, top 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 top. Va dans l'autre sens, va dans l'autre sens, coco. Là normalement je suis bon là. Hein. Tout doucement. Allez, vas-y. On va y aller là. Top. T'es. C'est parti. Yes. Yes papa. Allez, on y va. Il va s'ouvrir ou je tourne à gauche là? Merde, je sais pas, je vois rien. Alors voilà mon chargement. Non, je tourne là, là c'est nul, là il n'y a rien. On a l'impression qu'on peut passer la grille dans le noir, on a l'impression qu'il y a une route derrière. Je me serais mis dedans, j'aurais été bien emmerdé moi. On va prendre la photo là. Voilà. Ok. Donc faut tourner à gauche hein, tout de suite. Alors on va reculer. Quelle idée de conduire de nuit, Vinguette. Préparez-vous à tourner à droite. Tournez à droite. Oh, 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 je me suis trompé. Je me suis trompé. Oh putain, je me suis trompé, c'est pas là la sortie, bordel de merde. J'ai tourné sur le parking avant. Ah, fais chier. Recherche d'un nouvel itinéraire. Ouais, bah, c'est la merde, hein. Faites demi-tour dès que possible. T'es rigolo, toi, hein. Ce que j'ai envie de faire, j'en ai rien à foutre de... Je fais ma coupure quand même. J'arrive en retard, j'aurai des pénalités de... Voilà, mais je préfère. Voilà.
préfère partir en pleine journée. Parce que là, ne rien voir la nuit, c'est une horreur. Voilà. C'est plus sympa de rouler la journée, quoi. Tournez à droite. Ouh, le poteau. C'est bon. Allez, zizou. Au rond-point, prenez la troisième sortie. Tenez la droite. Sortez maintenant. Tenez la gauche. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Je préfère les prendre dans cette vue-là, les ronds-points, c'est plus simple. Bien gérer le rond-point. Après, une fois qu'on est engagé. Sortez maintenant. Quitter Madrid. Tenez la droite, puis sortez à droite. Sortez à droite. Je me méfie, j'ai pas envie de me retourner. Je préfère freiner. Mais... Tenez la gauche. Après c'est l'autoroute, hein, donc ça devrait aller vite. Hein. Ça ne devrait pas poser de soucis. Hein. Tenez la droite. Puis sortez à droite. Doucement, doucement, doucement. Sortez à droite. Tournez à droite. Attends. Là.
ici. J'ai failli louper la sortie. Ok. Tenez la gauche. Fallait gérer, hein. Allez. Oh, regardez, attendez. 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 Juste une petite seconde. Je viens de voir quelque chose d'intéressant. Le petit taureau qui est là. On va mettre quelque chose de plus. Ça reste sombre, hein. Reste sombre, le coco. Je peux pas aller plus loin là. Attends, juste. Non, c'est pas ça. C'est ça que je veux faire. Hop là, voilà. Que je regarde ça de plus près. Ah ouais, c'est pas une statue. Ah ouais. C'est juste une image en noir. Alors regardez. Voilà. Et derrière. C'est juste une pancarte. Voilà. Ok. Voilà. On revient. Et on démarre. On va perdre un peu de temps, mais bon. Ça aurait été dommage de ne pas aller voir ce truc-là. Allez, zoom. La gauche. Ok. Quand j'ai pas mis mes rétros là, c'est pas bon. Un bus derrière là, qui va peut-être. Je vais essayer de dépasser le bus parce que
Vas-y, Coco, passe. Oh putain, la voiture derrière! Oh, je me suis... Putain, j'ai créé un accident là! J'ai vu la. Putain. J'ai vu la voiture de gauche percuter une autre voiture à l'arrière. Castilla et Léon. C'est bon. Voilà, donc si je voulais aller à Valence, il aurait fallu tourner à droite ici. J'aurai l'occasion de revenir en Espagne. Mais... J'irai faire un tour à ce moment-là. Là-bas.
Bon, cette vue est moins maniable, mais je trouve qu'on apprécie mieux le paysage. Et on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas. Là parce que je fais beaucoup d'écart. Et après, il y aura tout le Portugal à faire. Bon, ça, je le ferai plus tard lors de sessions où je ferai plusieurs pays d'affilée, je ferai des grands trajets. J'inclurai l'occasion de Portugal dedans. Pas besoin de faire une vidéo spéciale Portugal, je pense pas. Et puis voilà quoi. Il y a un salon d'une tour, là, je vois à gauche. Est-ce que c'est pas un événement, un lieu à visiter? Je sais pas. Tenez la gauche. Voilà, madame. Tenez la gauche. Oh, ça la pompe pas, hein. Oh putain, la voiture là, bordel. Passe. J'ai pas eu le temps de voir la rivière. Le problème quand on roule comme ça, des fois on n'a pas le temps d'apprécier le décor. Oh putain, j'ai changé de voie. Oh, je me suis trompé de touche. Tenez la gauche. Rio Ebro. Ok. Oh putain, la voiture. Camion qui se contrôlait, ok. On a fait la moitié du chemin.
police. Tenez la gauche. Tenez la gauche. C'est 60 ici. Pas mal la ville présentée ici sur la droite. Ok. Du coup, on est où là, au niveau du de la carte? On est où au niveau de la carte là? Je suis curieux de savoir où j'en suis arrivé. Ok, on est parti de là. Ok, la grande ville c'était Saragosse et on arrive vers Barcelone par ici. Ok, ça marche. Allez, on y va. Désert, voilà. C'est le désert. Alors, vous voyez, je suis 63 km/h, j'ai pas l'impression d'avancer beaucoup. Et quand vous mettez une vue comme ça, ça donne une impression de vitesse. Quoi ça? Oh putain, ah oui, j'ai pas vu. Alors attends, là du coup. Putain, la voiture bleue là, laisse-moi passer, bordel. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là?
profite, ça permet de mieux voir et ça fige le truc. Ok. Attends, comment ça marche là? Voilà. Tu m'expliques pourquoi t'as mis des pourquoi t'as mis des trucs comme ça? Pourquoi t'as mis des échelles? Ok, c'est bon. Tenez la gauche. C'est pas tout la position. Un temps pourri, on dirait qu'il va pleuvoir, c'est bizarre. On va être pas trop loin de Barcelone, je pense, là. On va bientôt arriver.
Ah, il y a le péage d'abord, ok. Ah bah oui, le petit symbole de tour là que j'avais vu tout à l'heure, c'est un péage simplement. Okay. Qu'est-ce que je fais des fois? Il y a des moments. Faut que j'aille là-bas à droite. Et là-haut, on dirait une ruine. Ouais, là, on va arriver à Barcelone. Hein. On a bientôt fini. Par contre, l'essence, ça craint. Hein. Normalement, j'en ai assez. Hein, mais... Putain. Et les voitures, pourquoi vous venez par là, quoi? Allez, 59 € de péage. Là, je pense qu'on arrive dans les faubourgs, non? Quelque chose comme ça. Je sais pas ce que c'est que cette ville là. Les portes de Barcelone. Libriga, je sais pas quoi. Ok, je vais doucement, hein. Je regarde. Ok. Oh putain, t'as... Oh, putain, le coup d'œil, il m'a coûté cher. Piscine à droite. Moi, j'aurais dû m'arrêter pour prendre de l'essence, tiens. Quel con. Porta de Barcelone. Je vais à gauche ou à droite. Oh, GPS, indique-moi. Tenez la gauche. Voilà, à gauche. Chouf, putain. Alors, attends. Juste 2 secondes, parce que là, j'ai le sentiment que... Attends. C'est juste pour voir où je suis en fait. Je bloque le trafic, mais je m'en fous. Ok. Parce que je dois pas être loin de Barcelone, hein. C'est quoi ça? La Riera de Ruf. Bon, en fait, la ville, elle est pas représentée, hein. J'ai l'impression. Allez, on y va.
Tenez la gauche. Ok. En fait, de Barcelone, tu vois rien. Hein. Tenez la droite, puis sortez à droite. D'accord, attends, 10 secondes. Sortez à droite. Ah si, c'est... Si on regarde, la ville, elle est représentée là-bas. En fait, la ville de Barcelone, elle est à travers la fenêtre, c'est par là-bas. Et là, c'est les zones industrielles de Barcelone, je pense. Hein. La ville, elle est là-bas. Donc si vraiment je veux faire un tour, excusez-moi, mais j'aime bien voir à peu près comment ils ont représenté les choses. Je pense que ça vous intéresse aussi. Donc la ville de Barcelone, elle doit être là. Tout ce qu'on voit là. Voilà, c'est censé être Barcelone. Ok. Alors, je suppose que c'est identique à l'original. Vous voyez ces trucs-là, là, les... Ces petites collines là avec les maisons comme ça. Vous me dites si vous retrouvez, si vous connaissez Barcelone, si ces bâtiments là par exemple font, vous rappellent quelque chose ou pas. Que je regarde plus en détail. Ouais. Ok. Ok, c'est représenté la ville. Ok, ça marche. Allez, on y va. On va livrer notre cargaison. Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Tenez la droite. Sortez maintenant. Tenez la droite. Ok. Ok. Au rond-point, prenez la première sortie. Sortez maintenant. Là, on est à Barcelone directement. Tenez la droite, puis tournez à droite. Ok. Ici, alors attends. Ah, j'ai vu. Tournez à droite. En fait, je vais livrer au concessionnaire Renault. C'est ici que ça se termine. Voilà. Top. Voilà. Distance parcourue 599 km, 49 minutes. Récompense de base, j'ai ça. Bonus de compétences, bonus de cessation de la remorque.
Bonus de livraison, j'ai pas de truc de retard, je suis très content, donc c'est parfait. Voilà, on va revenir à la conduite. Voilà, le camion, on va passer ici. On a livré ce qu'il fallait. Je vais m'arrêter là. Je vais arrêter le moteur. On va mettre zéro. Et on va visiter déjà Barcelone de là où je suis. Alors. Pendant qu'il fait encore jour. Ça, c'est vraiment la zone industrielle, hein. Je monte un peu plus. Ouais, c'est la zone industrielle. Ça, c'est le port, ça. Non? C'est quoi ce dessin infâme? Ok. Putain, la déchetterie ici. Ça, je sais pas ce que c'est que ces images à la con, mais ça fait moche. Bon, le seul truc beau, je trouve, là-dedans, ben, qui rentre bien, c'est ça. Voilà, ces trucs-là. Ça. Je connais pas du tout Barcelone, mais c'est quoi ça? Copeco, Carros, ok. Ça, je trouve ça plutôt joli, ça. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Je vais prendre de l'essence, copain. Au niveau de la carte. La carte. L'essence. Je suis garé là. L'essence, il y en a ici. On va faire un petit parcours. Allez, zou. Prêt à rouler. Est-ce que je vais être en rade, tu vois? Au rond-point, prenez la deuxième sortie. Tenez la droite. Sortez maintenant. Tenez la droite et tournez à droite. Tournez à droite.
tourner à droite. Vous êtes arrivé. C'est nickel. Putain, 655, quasiment 400, enfin quasiment 400 litres d'essence quoi, c'est un truc de fou. Et maintenant il faut trouver un endroit pour dormir pour la prochaine mission. Du coup, navigation. Parce que là, ça va être le soir, donc autant aller trouver tout de suite un endroit pour dormir, notamment ici. Là, il y a un endroit pour dormir là. Soyez prudent. Pourquoi on fait un peu ? Vous trouverez un nouvel itinéraire. Ah oui, je passe par là, c'est plus simple. Tenez la droite et tournez à droite. Tournez à gauche. Le panneau. J'ai pété. Tournez à droite. Apparemment ici je peux me garer. Ah mais c'est un garage ça. Sain et sauf. Je peux pas me garer là, j'ai pas le droit. Est-ce que j'ai le droit de me garer là? Ah non, j'ai pas le droit. Hein. Ok, je peux pas l'acheter. Je peux pas acheter le garage là. Faut que je trouve un autre endroit pour dormir alors. Putain, fichier. Là alors. Il est temps d'aller travailler. Non, je cherche un endroit pour dormir. Préparez-vous à tourner à gauche. Tournez à gauche. Oh putain. Tournez à droite. Je me demande si une fois qu'on les pète les trucs ils restent pétés pour la prochaine session ou si ça se réinitialise quand on enregistre le jeu. C'est une question que je me pose. Tenez la gauche. Au rond-point, prenez la troisième sortie. Tenez la droite.
Putain, j'ai plus la bordure. Sortez maintenant. Où est-ce que je peux faire dodo là? C'est ici, de l'autre côté là. C'est terminé. Alors, ici. Alors, on va réparer le camion, maintenance réparation du camion, recommandation d'assistance, 4200 à payer, pour passer de 7% à 3%. Ok. On va confirmer, on va payer ça. Voilà. Ok. C'est bon pour moi. Pourquoi il me propose pas la place de parking là pour faire ma coupure par exemple? Si je comprends pas ça. C'est quoi, je vais faire demi-tour, je vais aller de l'autre côté. C'est ici qu'on peut se garer. Attends, bouge pas. Ici. Et dis-moi que je peux me garer quelque part. Hein. Je vais mettre là les voitures là. Bon, je suis garé, mais il ne propose pas de faire une coupure. Bon, bah écoutez les gars, je me garde là, tant pis. Et puis on se voit la prochaine fois pour la prochaine mission. On fera le retour de Barcelone, voilà, ici, et on essaiera de partir sur Toulouse. Alors je ne sais pas s'il va me faire emprunter la route là, j'espère que oui. Maintenant il n'y a pas de ville, hein, on ne va pas vraiment croiser de ville. Toulouse ou Montpellier? Non, Toulouse, refaire la boucle. Ah, on verra bien les missions que je trouve, et puis à ce moment-là, on fera le tour. Et puis, ben, après l'Espagne, on verra, à mon avis, les Balkans. Ici, on ira sûrement faire un petit tour dans ce coin-là, parce que là, c'est une des parties de la carte que je n'ai pas faite actuellement. Allez, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les gens, ciao, ciao, portez-vous bien, bye.